Yo tout le monde, bonjour à tous, c'est Drainard pour un nouveau replay de StarCraft 2. Et non, t'as remarqué, on est sur Black Ops 2, on est sur Call of Duty, et oui, on est donc parti pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Évidemment, j'ai revêti mon chapeau, et comme tu peux le constater, eh bien, je suis en train, comme vous pouvez le constater, je suis en train de lancer une petite recherche de MME. Hey, tu m'as cru, et ben non. En fait, on est bien entendu sur StarCraft 2 pour tout simplement eh bien, lancer eh bien, une petite game en multijoueur. Donc voilà, on est en master, on est en 20. Ce qui est un rang, tu me diras, et tu le reconnaîtras, plutôt acceptable. Donc voilà, on fait pas de bêtises, on lance tout de suite un petit 1v1. Bien sûr, on prend une rachite et on prend Zerg. Donc voilà, c'est une petite blague que j'avais envie de faire. Mais non, plus sérieusement, on part sur une game de qualité. On va lancer un petit 1v1 en joueur Zerg, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je fais. Je vais essayer de vous démontrer pourquoi Zerg est vraiment cheaté, et vous allez le comprendre. Donc je suis en 20 de ma League Master. Évidemment, je n'ai pas joué Zerg sur Legacy of the Void. J'aimerais bien vous le prouver, mais malheureusement, je n'en aurai pas le temps. J'ai fait environ deux. Et voilà! Et on joue un GM, on joue un GM Terran, mesdames et messieurs. Alors que, bien entendu, je n'ai pas joué Zerg sur le TV. C'est-à-dire que si je gagne cette game, c'est une honte totale. Et là, j'ai pas fait une game de la journée, ça fait 3 jours que j'ai pas joué, et on tombe sur un GM, vous voyez? Donc là, il va falloir avoir quelque chose de très très convaincant. Parce que si on gagne ce GM, on peut gagner beaucoup de points. Donc du coup, regardez ce qui va se passer. Ça va être assez simple. On va le cheese. On va jouer sans les barres de vie parce qu'on en a pas vraiment besoin, nous. On est un peu trop chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, regardez. On va lancer deux petits drones. Je vous jure qu'on va se mettre bien sur cette game et qu'on va aller la win. GM ou pas GM, ça va aller prendre la petite win. De façon on ne peut plus gratuite. Allez, le petit Overlord. Je m'excuse hein, pour les bruits de clavier, bien entendu. La petite B2, on est quand même contre Zerg, faut pas charrier. On veut une first hatch. Hein. La first hatch qui est l'élément essentiel d'un. L'élément essentiel d'une d'un bon début de game. Et je ne joue pas Zerg, hein, donc. Je pense que là, je vais la faire à la. À la Cheesy. À la Inoa. À la Ino. Regardez. On va poser un petit gaz. On va bien sûr faire mass roach. Voilà, tranquillement. La B2 qui est positionnée. Et vous allez voir, GM ou pas GM, moi je le bute. Moi, y a pas de fioriture. Déjà, on va scout son gaz. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh là là, deuxième caserne. Oh là là, il est agressif. Il est agressif. Il faut reculer, il a pas de gaz, il va tuer mon Overlord, faut se barrer. Il va faire ma Reaper là. Je sens la fourberie de ce joueur là. Normalement s'il est bon, il me défonce qu'avec des Reapers. Hein. Où je peux mettre mon putain d'Overlord quoi. Oh là 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 là. La catastrophe. Oh le Bunker Rush. Et moi qui n'avais rien vu quoi. On va l'insulter après bien entendu hein, si jamais il nous bat. C'est comme ça que ça se passe. Regardez, attention, le bunker qui se termine. Ok. Gardons notre calme. Tu gardes ton calme papy et ça va bien se passer. Bien sûr on va cancel cette queen. Voilà. On va le laisser tuer notre petite base hein, ça va de soi. On va jouer macro puisque là finalement voilà, il fait un tourax. Mais très bien poteau, y a pas de problème. Fais-toi plaisir, tu matches. Je te la donne avec grande joie. On est à 16 déco, voilà, c'est parfait. On va bien entendu positionner ce bâtard-roach, hein, puisque saccageur, c'est un peu plus fort qu'on ne le pense. Voilà, il va tuer notre petite hatch, il est content. Oh non, mon over. L'avantage, faut que j'essaye de gagner un peu de temps pour pas que mon over se fasse esquinter la gueule. Allez, over, oui, tu peux le faire. Oui. Run pour ta vie. Oh l'enculé. Donc déjà dans un premier temps, voilà, on va faire quelques Zerglings. Bon, je vous avoue que je suis pas totalement confiant sur l'issue de cette partie. Hein. Le GM qui te tourax alors que t'es master et tout. On sent quand même un petit peu un manque de maniérisme évident. Donc voilà, donc là il va s'en aller. Parce qu'il va avoir peur quand même, c'est un peu la base de tout. Est-ce qu'il a une B2? Là il vient la question. Voilà, on va avoir de quoi faire les premiers... Évidemment, il est parti, donc on va... tuer tout ça et on envoie les premiers roaches bien entendu. Il veut jouer la macro, pas de problème.
Pas de problème, mon gars. Oh là là, il y a beaucoup. Et c'est là où les roaches, les amis. Là, là il vient sanctionner une base, mais en fait, il n'y a pas de base. C'est ça la fourberie de la stratégie. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Des petits roaches. On peut poser une deuxième base, c'est pas interdit. On peut reposer une base, voilà. Oh, il scanne. Il voit le poteau rose, comme on dit. C'est le moment d'y aller. Oh là là, il est chaud. Ah, c'est vrai que ça coûte cher un peu les... On va gérer la game, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'il a pour sa défense? Mais il n'a rien, mais il n'a rien, c'est magique. Là, il va être en train de libérateur comme une pute. Wow, des tanks, très bien. Écoute, pas de problème, poteau, tu veux la jouer macro? Ok, on est parti. Sans surprise, ce GM qui, pas très manœuvre, essaye de... Voilà. Par le biais de procédés peu honnêtes. Mais là, ça va, en fait, il a pas de V2. Tout est possible, mesdames et messieurs. Zach, c'est cheaté, on vous le rappelle. On va faire une petite fournée de drones. Là, il voit B2, il se dit, ah merde, je me suis fait avoir. Mais comme il a beaucoup, il va falloir que je produise aussi, sinon quand il va go à la maison, il va faire mal. Est-ce qu'il descend? Toujours pas. On va faire quelques petits roaches. Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va pas me dropper dans la main en mode vénère? Pour l'instant, il n'a pas de B2 ou alors il a une base cachée qu'on va aller scouter, bien entendu, maintenant. Oh, il a la gold, ça se trouve. Oh, les libérateurs, merde. Ah, merde. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon, on se débarrasse de tout ça, on a le petit overlord, voilà. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, hein. Évidemment, on est un peu supply, mais je nous sens bien dans la game quand même. Voilà, on entend le petit Medivac là qui essaye de faire le malin. On le sent un petit peu sous pression. Notre creep est au beau fixe, regardez. Bien entendu, là on va reprod un peu pour pas se faire défoncer. Donc en fait, ok, il serait complètement all-in. Il a effectivement quelques roaches, mais c'est pas grave, faut pas perdre son calme. Il faut reculer, on est en train de tout perdre. Bon, c'était pas vraiment prévu. Noob. Et on quitte, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que cette petite game vous a plu. On tombe contre un GM, c'était pas vraiment prévu, tu vois. Nous, on lance notre petite game tranquille, en mode... Voilà, on veut juste faire un petit ladder fun pour montrer aux viewers du beau jeu. Et on tombe sur quoi? Le GM, vous voyez, donc bon, il y a une part de shit là-dedans, 5 fois GM, vous voyez, bon, le mec était pas quand même très très puissant, il était dans sa main race, moi j'étais dans une race que j'avais jamais joué, j'aurais bien aimé le jouer en proto, ça aurait été peut-être plus marrant, en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, petite vidéo sur la chaîne YouTube, on se revoit très vite pour des commentaires de game de pro, ne vous inquiétez pas, merci d'avoir suivi la vidéo, et à la prochaine, salut!